Respect, honorable. Bonjour, mon commissaire. Respect, monsieur le maire. Ah, bienvenue, honorable. Ah, chef du village. Comment ça va? Très bien, bienvenue à Bemikani. Merci bien. Les nouvelles sont bonnes au village ici, quand même. Oh oui, honorable. Tant bien que mal. Oui. Dieu est là, il nous garde. Ça va aller. Faut arrêter d'être pessimiste, tant bien que mal. Dieu va... Non, non, non. Dieu ne descendra pas ici pour régler vos problèmes. C'est vous-même qui pouvez régler vos problèmes. Il faut être optimiste. Tu comprends? Il faut dire ça va aller. Voilà, ça va aller, honorable. Voilà. Grâce à votre présence. Il faut être positif. Voilà. Bonjour, tonton. Tu as dit quoi? Bonjour, tonton. Écoute-moi bien. Vos histoires de tonton, de tantine, de belle-sœur, ça c'est fini. C'était avant ça, tu as compris? C'est fini ça. On n'est pas en famille là. Il faut que ça s'arrête ça. Ici, là, c'est honorable ou bien monsieur le député, c'est clair? C'est ça. Oui, tonton. Honorable! Oh! Oh! Il m'énerve, hein? Et en plus, je t'ai remarqué, partout où je vais, je te vois toujours avec une arme. Oui, honorable, c'est ça. C'est pour tuer le gibier en brousse. C'est ça. Parce que nous, ici, à Bemikani, on ne vit que de ça. C'est ça. Honorable. J'espère au moins que tu as un permis de port d'armes. C'est quoi ça, honorable? Bon, il a au moins une autorisation de chasse. Ah, honorable, comment ça? Autorisation pour chasser. Honorable, autorisation de chasser dans nos forêts de Bemikani. Oui, quand même. Pour tuer nos propres animaux de Bemikani. Oui, quand même. Que nos ancêtres ont laissé. Ah. Oui, tu connais l'écosystème? Oui, honorable, je connais. Alors, heureusement. Vraiment, honorable, ça tombe bien. Un Zambi. Non, mais l'école est là, honorable. L'école est là. C'est grâce à vous-même que cette école est là. Mais c'est le système qui nous embrouille. Mm-hmm. Les enfants ne vont même plus à l'école, soit à la maison. C'est ça. Honorable, regardez vous-même. Même là, en ce moment, il nous manque. Attendez, 3 mètres. Attendez, chef du village. Non, franchement, on n'est pas sorti. Oui, vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Avec... Qui a parlé d'école? Mais honorable, c'est vous-même qui avez parlé ça tout de suite. C'est ça. Bon Dieu. C'est comme ça qu'il a compris. Qui a dit école-système? J'ai jamais dit ça, j'ai dit éco-système. C'est un village. Et voilà. Pauvre de nous. L'écosystème là, c'est l'ensemble de tout ça. Les arbres, les animaux, les papillons, les oiseaux, tout ça. C'est ça. C'est ça qui nous permet de vivre en harmonie avec notre environnement. Exact. De bien respirer de l'air pur, voilà. De manger bien, de vivre longtemps. Mais c'est ça, manger bien, honorable. C'est ça. Ah bon? C'est ça. Mais, alors quand vous aurez fini de tuer tous les animaux, d'abattre tous les arbres, et à ce rythme-là, dans 10 ans, dans 20 ans, vous serez où? Ici au village, à Bemikani, honorable. Où ça? Ici au village. C'est ça, au village, à Bemikani. Ce sera désert Kani. Vous serez dans le désert. Tu connais le désert? C'est là-bas, là. Où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, il n'y a que du sable. On plante, ça ne pousse pas, il ne pleut pas. Les gens ne mangent pas. Tonton, il faut fermer les yeux, c'est vrai que ça on vit au village. Hein? Vraiment, honorable. Fermez les yeux. On va passer notre temps à dormir. Vous savez pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est à force de fermer nos yeux là. Sur ces mauvaises habitudes là. Qu'on n'avance pas. Vous savez notre rythme c'est quoi? Un pas en avant. Deux pas en arrière. Mais moi, je vous dis, tant que je serai le député ici, là, on ne fera plus un pas devant, deux derrière. On fera toujours des pas en avant. Tu es mon neveu, c'est vrai, mais je te dis un truc. À partir d'aujourd'hui, la prochaine fois que je vais en tournée, que je te vois avec même un pistolet à eau, à plus forte raison, un fusil. Mon commissaire. Oui, honorable.
on l'enferme. Bien reçu, honorable. Monsieur le maire, il va en prison. Bien reçu. Même si c'est mon neveu. Ça va être fait. Et la justice fera son travail. Où est-ce qu'il est, mon ami? Ici, mon ami. À Charmatier. C'est le chef du village. Enchanté. Bonjour, monsieur. Lui, c'est monsieur Charpentier. Ah. C'est un expert. Je l'ai fait venir dans votre village pour vous enseigner beaucoup de choses. Il va vous apprendre beaucoup de choses. Et votre village va évoluer. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci. Il va venir nous apprendre la charpenterie. Ça tombe bien. J'ai mes trois neveux qui sont là, qui chôment là. Je souffre, honorable. Tous les enfants qui font rien. Chef du village, attendez. Qui vous a parlé de charpenterie? Mais c'est vous-même, honorable, tout de suite là-même. Le monsieur, il s'appelle monsieur Charpentier. Comme moi, je m'appelle monsieur Washington. Ah. C'est notre nom. Tu connais le président des États-Unis? Barack Obama. Mais Barack, c'est pas une petite case. C'est un homme. Ah, bienvenue à Bimbikani. Pour ce que vous faites ici dans notre village, à Bimbikani. La preuve est là. Vous nous avez amené M. Charpentier, un étranger qui revient loin du pays des Blancs. Ah oui, mon ami, l'expert. Parce que vous êtes soucieux de l'avenir de notre village, de nos enfants. Parce qu'ils doivent faire l'école. Nous, les adultes, on doit aussi faire l'école des grands. Sans oublier ceux qui sont dans le village là-bas dans la forêt. Ah, surtout. Alors, comme on le dit souvent, que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Ça, c'est vrai. Donc, à mon nom et au nom de toutes les populations de Bimbikani, nous avons réservé un petit présent. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est pas grand-chose. C'est juste symbolique, honorable. Donc, un régime de bananes et une petite gazelle que je vais vous montrer. Une quoi? Une petite gazelle, honorable. Elle est toute fraîche. Vivante. Vivante. Toute fraîche. Non, elle est décédée, honorable. Elle... Toute fraîche. Chef, laissez ça, bien. Laissez ça là-dedans, laissez ça là. Quand vous prenez même les boyaux là, vous faites un bon bouillon. Laissez ça là-dedans. C'est bien. Elle est décédée. Oui, honorable. Chef, dites-moi, on l'a tuée ou vous l'avez abattue? Non. En tout cas, les deux. Mais c'est, elle est là. Peut-être arrêter de manger. Mais chef, oui, lorsque honorable. Je vous parle, est-ce que vous me comprenez?
Oui, honorable, je vous comprends bien comme là, à ce moment, quand vous parlez, je vous comprends. Je n'ai pas l'impression que vous me comprenez. Je viens de vous parler tout à l'heure d'écosystème, c'est-à-dire sauvegarder la flore et la faune. Arrêter de faire les feux de brousse, abattre les arbres, tuer les animaux. Je viens de vous en parler à l'instant. Et pour me prouver que vous avez très bien compris mon message, vous m'offrez en cadeau, moi un élu de la République, un parlementaire, ce que vous trouvez comme cadeau pour me faire comprendre que vous avez bien compris, c'est une gazelle tuée. Monsieur le maire, j'espère que vous n'êtes pas impliqué dans ces genre de trafic de braconnage pur et dur. Hein? Non, surtout pas. Ah, d'accord. Mais rarement. Quoi? De temps en temps. Attendez, vous moquez de moi ou quoi? Rarement, de temps en temps, ça veut dire quoi? C'est la même chose, monsieur le maire. Oui, vous savez, le français est élastique, honorable. Oh, en plus, il me fait rigoler. Le français est élastique. Oui, oui. Élastique comme le cerveau de ce petit abruti là, qui a toujours son fusil et qui n'arrête pas de dire aux gens bonjour. Je suis sûr que c'est lui qui a abattu ce bébé gazelle. Et je l'ai déjà prévenu. Toujours armé, tonton, je t'ai déjà prévenu. C'est la prison qui t'attend. Cher ami, oui. Bienvenue en Afrique. Ça va aller. Je suis venu pour ça, je vais régler tout. Et je te souhaite du plaisir. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais te laisser une de mes cartes de visite. Avec mon numéro privé. Alors, tu n'hésites pas du tout. Dès que tu as un petit souci, tu me fais signe. C'est pas possible. Vous venez vous parler à des gens. Il faut semblant de vous entendre. Et après, ils font le contraire. Après, ils disent ouais, les politiciens. Voilà. Merci. Mais c'est un numéro privé, comme je te l'ai dit. Tu ne le remets à qui que ce soit. Et quand je dis à qui que ce soit, c'est vraiment à personne. C'est clair. J'ai compris. Chef, oui, monsieur le maire. Moi, je comprends pas pourquoi il se fâche. Mais je n'ai rien compris. Monsieur le maire, mais voici les conséquences du fait d'avoir trop duré chez les Blancs. Il n'arrive même pas à reconnaître les bonnes choses. Comme ça, là. C'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. On va pas jeter ça. Cette gazelle, oui. Et le régime, oui. Mettez ça derrière la voiture du maire. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Je vais envoyer l'enfant de mon C'est ça. Ok. Soyez saluée, ma reine. Ma reine, je viens vous voir pour vous faire le compte rendu de la cérémonie d'offrande qui s'est passée à la rivière. Comme d'habitude, nous avons invoqué la déesse, mais elle nous a avertis d'un grand danger. Un danger qui guette notre royaume, mais aussi les environs. Un danger? Oui, ma reine. Donda! Quoi? Arrête! Donda, tu es le chef de tous mes guerriers. Demain, prends tes dispositions. Pour que rien de mal
Allô, ne quitte pas, je te rappelle. Y'a quel problème? Teka, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu parles de quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait dans ce village? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu parles qu'est-ce de quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Teka? Pour m'envoyer un moussoto. Un moussoto que tu m'as envoyé, Teka. Occupe-toi de lui comme ça, la vie c'est comme ça. La vie c'est pas comme ça, Teka. C'est pas comme ça la vie. Un matin, je me lève, tout le village se moque de moi. Teka, à cause de quoi? Ça, l'argent, prends l'argent. Teka ne m'appelle plus jamais. Oh, mais on va faire comment maintenant? Comment de quoi? Hey, mon sauté comme toi, tu dis comment? Va d'abord arranger ça. Hey, mon Dieu. Quelle malchance. C'est Teka. Oui, mon ami. Mais c'est quoi, Mousso, je sais pas quoi. Moussoto? Oui, Moussoto. Laisse ça comme ça, c'est une longue histoire. Viens prendre un verre. Mais moi, je fais comment, là? Vous connaissez cette rivière? Pas du tout, non. Vous avez entendu parler de Wango? Oui, oui, bien sûr, le Wango. C'est ici qu'il a battu les miliciens. Ah bon? Ah oui. Et de temps en temps, il apparaît. C'est vrai ça? Ah oui, et c'est une rivière sacrée. On va y aller, la route est longue. On a entendu. Mais non, c'était De quoi? Hein? Regarde-moi ça. J'ai même cru que c'était une jeune gazelle qui était en train de venir. Regardez-moi ces femmelettes là. Fais-moi ça. De toute façon, on est déjà arrivé au royaume. Hein? Mais ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a toujours à manger. C'est bon. On y va. Continue. Longue vie à la reine Bahama. Je suis Mupuki du village Benikani. Je suis envoyé par mon chef rencontrer la reine Bahama avec ses étrangers.
Bonjour, reine mère. Je suis du village Lipaka, de la tribu Bukonzo. Mon nom est Teka. Je suis accompagné de ce blanc. Son nom est Charpentier. Ma reine, il nous revient de la France. Il a parcouru tout le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il fait dans l'aide humanitaire. Il se retrouve aujourd'hui dans votre royaume pour vous apprendre beaucoup de choses, ma reine. Merci, Teka, fils de Mukonzo. Mais Teka, qu'est-ce qui te fait croire que nous avons besoin de son savoir? Mais ma reine, le monde a évolué. Ce blanc a beaucoup à vous apprendre. Dans votre royaume, il vous faut avoir des agronomes pour vous permettre de mieux connaître votre forêt. Vous avez besoin d'avoir des docteurs pour vous soigner, ma reine. Et même des journalistes qui feront qu'on puisse parler de vous dans tout le monde entier. Vous ne dépensez rien du tout, ma reine. Ma reine, avec votre permission, nous n'avons pas besoin d'un blanc dans notre royaume. Nous n'avons pas besoin d'agronomes. Nos enfants, depuis le plus bas âge, connaissent notre brousse et les secrets de nos forêts. Les avocatiers, les papayers, tout ce qui est planté ici a été fait sans ce blanc. Des gens quittent de la ville pour rentrer dans notre royaume, malades, pour se faire soigner. Et nous les soignons bien, puisqu'ils sont souvent guéris. Avons-nous besoin de journalisme, ma reine? D'une plus grande réputation? Votre seul nom résonne comme le tam-tam de Kunza. Votre réputation dépasse les frontières de Kessipougou et au-delà des frontières d'Akanda. Notre sagesse ne dit-elle pas, ma reine, que quand on voit un singe, sa queue n'est pas loin. Et que lorsqu'on trouve le miel, les abeilles également ne sont pas loin. Cet homme blanc, ma reine, ne nous apportera pas de bonnes choses. Là où l'homme blanc pose son pied, pour nous apporter sa soi-disant.
peut devenir un parisien, en vrai. Bon. On mange. Bon appétit. Merci, paraît bon. T'en veux? Non, c'est bon. C'est de la naturelle, hein? Ouais, je sais. Demain, la reine organise une grande fête. Oui, c'est vrai. Je me rappelle que la reine en a parlé ce matin. C'est un jour important pour nous, les habitants de ce royaume. C'est l'intronisation de sa fille. Chef de guerre, j'ai entendu parler du cœur de Wongo. C'est vrai qu'il existe? Vous en doutez de l'existence de Wongo? Le grand guerrier Wongo? Le grand guerrier Awandi? Regardez comment je suis vêtu. Wongo est tout pour nous. Ce cœur sort pour des moments très importants, comme demain. C'est lui qui donne du pouvoir à notre reine. Et il sortira demain. Vous verrez. Chef de guerre, nous avons apporté un présent pour vous. Vous voyez ce fusil? C'était le fusil d'un grand chef de guerre. Regardez comment il s'arme. Vous mettez de la poudre à l'intérieur. Et lorsque vous tirez, tout tombe devant vous. C'est faux! N'est-ce pas, monsieur Charpentier? Tout à fait. Avec ceci, tu pourras tuer lapin, chevreuil, gazelle, antilope, même les éléphants, avec une seule charge de poudre. Je t'en donnerai tout à l'heure. J'espère que vous ne me trompez pas! Non, chef de guerre. Et pour couronner le tout, vous apportez du whisky. Thank you.
Tchenko, Baba Chila Moula, Tchenko.
ça arrive. Allô. Eka, webi kiyoshi, wema yaka la nzuma bula, wema songu kesha baba yendre, wema okalili yawe. C'est à toi le gibier là? Non, c'est à mon grand frère. Où est-ce qu'il est? Il est à la maison. Ben appelle-le rapidement. Tu lui dis qu'il y a un client qui veut tout acheter. Yaya! Yaya! Il y a un client qui veut tout acheter. Oh. Ouais, j'arrive, j'arrive. Yo. Bonjour. Oh, honorable. Bonjour, honorable. Monsieur. Honorable. Vous me reconnaissez? Oui. Vous savez que je vous reconnais aussi. Vous avez reçu le courrier que je vous ai adressé par rapport au braconnage? Oui, honorable. Et alors?
Honorable, je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire? Oui, honorable, je ne sais pas lire. Oh, oh, je n'en crois pas un seul mot. Mais en fait, soit. Mais même si vous ne savez pas lire, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Vous avez quand même la mémoire. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, je passais ici avec mon protocole. Il y avait plein de gibier ici. Je me suis arrêté et je vous ai dit, arrêtez l'abattage des animaux. Vous détruisez l'écosystème, vous détruisez les espèces, et puis après, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour le pays. Je vous ai dit ça. Je vous ai même dit, voilà, les autorités font des calculs, cette année on a reçu 200 000 touristes, il faut que dans 2 ans, on passe à 2 millions de... Vous croyez que les touristes là, quand ils viennent ici, c'est des devises qui rentrent dans le pays, mais ils viennent pas pour regarder dans nos narines. C'est à cause de ces espèces là qu'ils viennent. Et s'il n'y en a plus? Arrêtez l'abattage sauvage des animaux. Regardez-moi ça. Toutes espèces confondues. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? Est-ce que vous trouvez normal d'abattre tous les animaux comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Attends, franchement, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous abattez ces animaux? Ils vous ont fait quoi? Honorable, les tuer, c'est pour vivre. Ah, vous les tuez pour vivre? Oui, honorable. Ngoyi, vous avez compris ça? Alors, monsieur nous dit qu'il y a des créatures du bon Dieu qui ont droit à la vie et d'autres n'ont pas droit à la vie. C'est-à-dire, lui, il a droit à la vie et ces pauvres bêtes qui sont là n'y ont pas droit. Et il trouve ça normal. C'est normal? Honorable, c'est pas normal, mais la vie, c'est comme ça, honorable. Ah, la vie, c'est comme ça? Oui. Ben écoutez, comme la vie, c'est comme ça, et que nous sommes dans un pays gouverné avec des lois, ben vous allez vous rendre compte que les lois aussi, c'est comme ça. Commissaire? Madame le commissaire? Oui, honorable? Venez, s'il vous plaît. Si vous croyez que parmi les créatures du bon Dieu, il y en a qui ont le droit de vivre, il y en a qui n'ont pas le droit de vivre, ben, c'est ce qu'on va voir. Bien reçu, honorable. D'accord. Bon, à chacun son travail. Les petits gibiers, j'ai toujours voté pour toi, honorable, honorable, oh pitié, honorable, honorable, honorable. Chef du village. Honorable. Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Par rapport à l'information que tu m'as donnée concernant mon ami Charpentier Leblanc que j'ai amené ici l'autre jour. Alors dis-moi, maintenant que je suis là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, honorable. Ah, excusez-moi d'abord. Parce que ça fait 2 jours que je ne dors pas bien avec la grippe là. Vraiment. Très bien.
Tu vois, je vous ai dit ici, on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. C'est normal que tu dormes pas bien. Comme on peut consommer régulièrement de la viande de gibier et dormir bien. On peut pas. Parce que vous croyez que ça n'a pas de conséquences sur la santé, quoi. Voilà les conséquences. Là, c'est la voix, la gorge qui s'en va. Ça, c'est rien. Il va arriver un moment où tu seras à faune. C'est-à-dire que tu n'auras même plus de voix. Et pire, tu ne verras même plus clair. Tu vas perdre la vue. Enfin, passons. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe avec Jacques Pantier? Voilà. Non, honorable. Oui. Comme je disais. Je suis assis là comme nous sommes assis là, au corps de garde. Voilà le messager de la reine qui arrive. Pour me donner l'information que je vous ai donnée là. Quelle information? Qu'est-ce qu'il dit? Mais, Charpentier a volé. Non mais, honorable, ne riez pas. Le messager de la reine là. La reine a beaucoup de messagers, beaucoup. Mais alors là, vraiment beaucoup de messagers. Comme ça. Je sais. Mais celui que j'ai vu là, debout dans mon corps de garde là. Ah, le messager là, honorable, il ne sort jamais n'importe comment. C'est le messager spécial de la reine. Quand le messager là sort, c'est que le problème est grave. Vraiment très grave. Et délicat. Donc, le blanc là, il a volé un objet très sacré. Le centre même de la vie au royaume. Un objet très sacré et puissant. Et en plus, c'est quoi? La relique en question. Honorable, allez savoir. C'est quoi? Le cœur. Et le cœur de qui? Du tout-puissant grand guerrier Wongo de ce royaume-là. Et en plus, la reine, c'est la descendante directe. Et là, c'est dangereux. Le problème est grave. C'est vraiment délicat. Et... tout ça pour m'influencer, quoi, mais me convaincre. Oui, la reine est descendante de Wongo. Oui, le messager qui est venu, il ne sort pas comme ça. Alors, quand il sort, donc, tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Toi, tu crois à ça? Honorable. Oui. C'est sérieux. Je suis comme le chef du village ici. Vous êtes notre élu. Vous êtes là-bas à l'assemblée, en ville. Nous, on a vécu ici, au village. D'abord, ils l'ont arrêté. Et il y a quelqu'un qui l'accompagnait là. Mais les guerriers l'ont tué sur place. Il est mort. Qui? Teka? Ah, je ne sais pas, c'est Toko ou Toko Atakal ou quoi là. Teka? Tu parles de Teka? Qui est Teka? Mais Teka, c'est celui qui était chargé d'être le guide de M. Charpentier. Voilà. Ah, tu le connais? Ben oui, patron. Comme la majorité des jeunes de cette contrée. Ah oui, c'est vrai. Alors donc, vous croyez que tout ça ici, la base suffit pour me convaincre? Ici la base pour le commissaire. Nous sommes vraiment débordés par plusieurs villageois là. Madame le commissaire, c'est mieux que vous fassiez tout ici à la base. Bien reçu, mais là je vous disais que j'étais en réunion et que je vous rappelais tout à l'heure dès que je me libère pour avoir plus amples éclaircissements. Reçu, madame le commissaire. Est-ce que c'est pas votre TK là qui a fait le coup? Et comme on l'a tué, d'après ce que tu me dis, et on accuse mon ami Charpentier. Qui te dit que c'est pas vrai? Patron, il est vrai que je connais TK, mais je le connais comme je connais tous les jeunes dans cette contrée. Je ne le connais pas personnellement. Donc je ne peux pas affirmer de son implication dans cette affaire. Je pense que c'est à vous de voir. En tout cas, quand tu m'as donné l'information, j'ai appelé immédiatement M. le maire. Et je crois que dans quelques instants, il va nous rejoindre aussi. D'accord, honorable. Bonjour, honorable. Mais comment? Toi, mon propre neveu, tu m'appelles aussi honorable comme tout le monde, quoi. On ne dit plus tonton. Mais, honorable, c'est vous-même qui m'avez dit la dernière fois de ne plus vous appeler tonton en public. Moi? Oui. Quand? Chef du village. Vous voyez ça? Moi, je lui ai dit ça. Oui, honorable.
Oh. Attends, vraiment, je ne comprends rien dans ce village. Moi, j'étais... Bon, tout ça, c'est l'or. Où est ton fusil? Mais, honorable, l'autre jour, c'est vous-même qui m'avez dit de ne plus avoir le fusil en public. Encore? Voilà. Voilà. Est-ce que tu es normal, chef du village? Lui et moi, on a parlé de fusil sur l'autre jour. Oui, honorable. Là, 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 dehors, là. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors, tu vas aller me chercher ton fusil. Si dans 2 minutes, tu n'es pas là avec ton fusil, là, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Vous êtes sûr, tonton? Moi, je vais parler en prison. Tu n'as pas envie d'aller en prison? Non. J'ai dit, dans 2 minutes, si tu n'es pas là, avec ton fusil, là, c'est là que tu vas aller en prison. Va me chercher le fusil. Quand on a besoin de vous, hein, vos fusils, on ne vous voit pas. C'est quand on n'a pas besoin d'eux, ils sont là avec les fusils. Et ils mentent. Tu vois, tu as continué à mentir. Quand je te parlais tout à l'heure des jeunes des gibiers, là, par rapport à ta gorge ou la grippe, je t'ai dit que ce n'est pas ça, c'est la viande, là, gibier, là. Tu n'as pas dit que le gibier que j'ai refusé ici l'autre jour, vous avez jeté ça, c'est faux. Vous avez consommé. Et ça a des conséquences sur la santé. Toi, c'est la gorge. Mais mon neveu, là, lui, c'est pas la gorge, mais je suis sûr que c'est son cerveau qui a atteint. Il dit n'importe quoi. Il n'est pas normal. Toi-même, tu es né, tu as été à l'école jusqu'à tu as grandi, tu es devenu maire. Tu as déjà vu une bouteille de boisson? Non, c'est la première fois, honorable. C'est la même chose pour la boisson qui est dedans. C'est pas du whisky. C'est spécial. Special beverage. Special? Comment? Vous mangez trop de gombo ici et de manioc, vous ne pouvez pas. Special beverage. Je n'ai rien compris. Ah oui? Mais tu n'es pas du milieu. On ne trouve pas ça n'importe où, ni avec n'importe qui. Au monde, là, on est peut-être 2 ou 3 à voir ça. Ngoï, quand on sort, il voit. Tu peux avoir la bouteille là, après. Ça? Oui. Ça va t'asphyxier. Si tu bois dans ça, tu seras asphyxié, tu ne connais pas. Une manière de boire. Non, non. C'est... On ne prend pas comme ça pour mettre dans la bouche. Hein. Prends. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, tu vois? Oui, on a vu. Ça, on joue comme ça. Je te montre. Ça, c'est la balle. Hein? Ah, j'adore ce jeu. Tu vois? C'est l'amour que je porte à alors. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? T'as dit quoi? J'attends le coup. Pour faire quoi? Pour attraper. La balle? Oui. Ça, est-ce que ça c'est du football? Non. Tu m'as vu jouer avec mes pieds? Non, honorable. Tu m'as vu dans les coups de tête? Non, honorable. Est-ce qu'il y a des poteaux ici? Il n'y a pas de poteaux. Moi je peux rester ici? Non. Viens ici. Et puis tu me regardes. Toi tu ne peux jamais jouer ça. Si, je vais essayer. Non, c'est les grands qui jouent ça. Tu connais Tiger Woods? Tiger... Pas ta gueule. Tiger Woods. Tiger Good.
Bon, si tu peux même pas prononcer en africain, donc c'est pas en anglais. Tiger roll. Tiger. Non, tu peux pas. Mange trop de manioc. Le sport, là. On appelle ça golf. 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 C'est la première fois que je vois ça. Ah voilà. C'était normal. Il y a que quelques grands quoi du monde qui jouent ça. Avec vous? Ah, mais attends. Nous, on ne court pas après la balle. 22 personnes qui courent après une seule balle. C'est pas normal. Rugby, alors, on n'en parle pas. Nous, ça, c'est le jeu des grands. Rugby, si par exemple, dans l'équipe adverse, il y a un monsieur dedans qui cherche ta copine, mais le jeu, vous vous rencontrez. Quand il y a les mêlées, là, toi, tu ne cherches pas la balle. C'est lui que tu guettes. Mais ici, là, qui va te guetter? Personne. Voilà, c'est le jeu des grands. Bon, c'est parti. T'as vu ce trou? Tomber dans le trou. Voilà. Je peux aussi jouer? Hein, toi, honorable. Tu peux jouer ça? Oui, honorable. Mais j'ai vu, j'ai vu. Mais tu voulais jouer le gardien. Bon, d'accord. Je... Bien, tu vas jouer, on va voir. On dirait une louche pour préparer du riz pour les prisonniers. Attrape bien, monte ton bras là, en haut, un peu haut, un peu plus haut. Encore. Oh, ton coude dépasse ta tête, c'est pas normal. Baisse-moi ça, voilà. Voilà. Tu vois, tu as vu? Ça, il n'y a pas de mensonge. Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais pas, tu connais. Tu as vu, pour moi, il est parti tout droit dans le trou. Oui. Mais pour toi, il est parti où? Dans le décor. Ça veut dire que tu connais rien dedans. Il faut m'apprendre, hein? Mais toi-même, si on t'apprend, ça, tu peux pas. Est-ce que tu manges du caviar? Caviar? Mmh. Ici, on ne mange pas du caviar. Et le foie gras? Nous, c'est le vin de palme. Même pas de saumon. Tu connais, tu ne manges pas de caviar. Pas. Les légumes, ça va. Le pied droit doit être aligné sur le pied gauche. Je comprends, Laura. Tu vois, non? Oui, honorable. Comme ça. Oh. Fais comme si tu vas frapper. Honorable, honorable. Oui. Honorable, oui. Je vous avais bien dit que le guerrier de la reine, le messager, il ne sort jamais n'importe comment. Oui. Voilà, il vient de repartir. Oui, c'est lui qui vient de partir. Hein? Qu'est-ce qu'il veut encore? Quand je vous ai dit, la reine l'a envoyé m'annoncer qu'ils vont exécuter le blanc là. Je vous avais bien dit que le guerrier là, lui là, il ne sort jamais n'importe comment. Oui. Honorable. Patron. Récupère-moi tout ça rapidement. Monsieur le maire. Honorable. Tu viens avec moi. Oui, mon commissaire, s'il vous plaît. Oui, honorable. Une minute. Oui. Écoutez, ils viennent nous perturber dans notre sport. Oui. Bah, il vient chuchoter quelque chose à l'oreille. C'est le guerrier. Ma notoriété dans ce village, mon honorabilité. Tu vois, charpentier, je me suis déplacé jusqu'en Europe pour aller te chercher. Je t'ai amené dans ce village pour que tu viennes leur donner la connaissance, le savoir. Au lieu de cela, tu viens leur démontrer tes capacités de grand gangster, voleur. Et pas de n'importe quoi.
des objets sacrés. Ce que nous, Africains, nous ne comprenons pas chez vous, c'est que si c'était un noir qui avait fait ça chez vous, votre presse, écrite, radio, télévision, chaîne câblée, vous aurez passé des mois à parler de ça, le traiter de tous les noms, le traîner dans la boue. C'est un bandit de grand chemin, un gangster, enrichissement illicite, trafiquant, blanchissement d'argent, bien mal acquis, et que sais-je. Mais chaque terrain a ses réalités. Nous, on n'a pas toutes ces possibilités. Mais on a nos méthodes. D'ici quelques instants, tu ne seras plus parmi nous parce que nous allons appliquer rigoureusement notre méthode. Et tu sais comment? Ça se passe là. Tu la prendras à tes dépens. Pour l'instant, je vais voir la reine. Et pour la suite à donner, on verra bien. Le premier jour que je t'ai amené dans ce village, en présence du chef du village ici, je t'ai souhaité la bienvenue. Et j'ai ajouté: bienvenue en Afrique. Mais il semble que tu n'as rien compris de ce que je voulais te dire. N'est-ce pas? Tu te souviens? Ah ben, je réitère. Bienvenue en Afrique. Ah, je t'avais remis aussi une de mes cartes de visite. Tu l'as encore? Dans la poche. Là? Oui. Patron? Trouve-moi cette carte. Oui, c'est bien ça. Je t'avais dit au moins de soucis, appelle-moi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et tu ne pouvais pas parce que tu sais que tu es voleur.
homme blanc. Ma reine vient de me parler. Elle veut savoir pourquoi tu as volé le cœur de Wongo. Comme ça? Oh! Oh! Non. Mais dis donc, hein? Vous avez entendu ça? Comme ça? C'est comme ça chez vous, au pays des Blancs, que vous répondez au chef ou au président? Comme ça? Peut-être que ma reine sera plus clémente. Je vais reposer ma question. Pourquoi tu as volé le cœur de Wongo? Je t'écoute. En fait, si je dois dire toute la vérité, je me sers depuis de nombreuses années de mon ONG afin d'aller sur le continent africain, de pays en pays, de village en village, afin de les piller de leurs reliques sacrées. C'est grâce à ça que je me fais énormément d'argent en vendant tout ça à de riches milliardaires. Cette fois-ci, je comprends mieux. C'est d'ailleurs pour ça que dans tes bagages, on a trouvé un livre du grand guerrier Wongo. C'est normal, je ne suis pas un amateur, je me renseigne. Homme blanc, j'ai entendu tout ce que tu as expliqué. Tu as quitté ton pays pour venir piller nos objets sacrés en Afrique. Mais sache que cet acte ne restera pas impuni. Tu vas payer le prix fort. Ainsi tu sauras qu'en Afrique, il y a des hommes et des choses auxquelles on ne touche pas. Wongo en fait partie. Appelez les sorciers, qu'ils le tuent et le mangent en sacrifice. Hola, Baba Yendre, Mama Yavobo, Nabibe Babike Libula, Voti Banyaga Bumau, Webe Nu, Baba Babe Nu Mitangani,
Yabati, des Soubat, des Soukanyama. Quoi encore là? Monsieur Charpentier, ce que nous allons faire, c'est pour votre bien. Ce rite vous permettra de devenir un homme. Car tout le royaume sait que vous êtes encore un moussoto. Et après cela, vous ne serez plus un moussoto. Vous serez un homme. Et un vrai homme parmi tant d'autres dans ce royaume. Machakwa! Ah! Nihio! Yo! Tato! Oh! Ah! Oh, ouais, comment ça va? Ça va. Ah, mais je suis surpris de te trouver ici. Parce que tu nous as laissé à la fête chez la reine. Si, si. En disant que tu avais beaucoup de dossiers à signer. Exact. Ah, je suppose donc que c'est les dossiers qui sont là. Là. Non, c'est pas ce que vous pensiez. Quoi. Mais non, moi je n'ai pas rien. Moi je vois, je constate. C'est les dossiers qui sont là? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous croyez. Attends. C'est juste un gibier pour la famille. Ah oui. Tu es un élu? Si, si. Comme moi. Voilà. Mais c'est à nous de donner l'exemple. Si. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, je passe mon temps à sensibiliser la population. C'est ce que je Arrêtez le braconnage. N'abattez pas les arbres, ne mettez pas le feu, ne tuez pas les animaux, les espèces rares surtout. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour votre environnement, mais etc., etc. Toi, un élu, tu les encourages dans mon dos. Est-ce que ça, c'est bien? C'est pas normal. Tu les encourages dans la bêtise humaine et tu participes même, puisque tu achètes et tu consommes. J'ai pris un petit truc pour la famille. Oui. C'est pas bien. De toute façon, c'est pas compliqué avec ce que je viens de voir. Je constate que
Tu n'as pas assez de documents à signer. Si, si. Non, non, moi j'en ai dans la voiture. Je vais te les donner aussi pour signer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mon commissaire. C'est honorable. Mon commissaire, oui. Oui, honorable. On peut traiter ça entre élus, honorable. Non, attendez. On n'est pas obligé. Non, non, c'est pas une question d'élus. Oui, honorable. Jetez un coup d'œil dans ce véhicule et dites-moi ce que vous voyez. Et c'est pas une question d'entre élus. C'est la loi. Elle doit s'appliquer dans tout. Je veux seulement voir ton démon. Je te dis victoire. 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 Je te d
Kokina. Kerry, on sur le beat est venu vous faire danser de fiat. Les enfants vous ont sauté le dernier cri du vampire. Oh, oh, fais voir ton démo. Où est ton démo? Montre-nous que tu n'as le démo. Pourquoi tu ne démo? Je veux seulement voir ton démo. Fais voir ton démo. Montre-nous que tu n'as le démo. Pourquoi tu ne démo? Fais voir ton démo. Joue-moi ton démo. Montre-nous que tu n'as le démo. Pourquoi tu ne démo? Je veux seulement voir ton démo. Fais voir ton démo. Montre-nous que tu n'as le démo. Pourquoi tu ne démo? Je veux seulement voir ton démo. Je veux seulement voir ton démo.